Good morgen, Aleïd, et l'étude aujourd'hui de Nishmat Haïster, Bat Myriam, ainsi, et Moshe ben Eliaou, Vanish, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël et Shimon ben Haïster, Khamshat Myriam, Bat Kozlena, et Binamin ben Khabiba, Bator Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Eruvin, Perek Aleph, Mishnah Chet, Sheyara Shechanta Babik'a, Vehikifua Bichlei Behema, Metaltelin Betocha, Ubilvad Sheyehe Gader Gavoa Asarat Fahim. Bon, on va commencer à entrer dans les sujets un petit peu plus vivants de Maseret Eruvin, qui consiste de manière générale, dans tous les domaines de Halakha, tirer au maximum sur la corde sans la craquer, faire le maximum avec le minimum. C'est la grande règle. D'accord? On a des définitions bien claires de comment définir un domaine privé, par exemple. Alors on va essayer d'utiliser le minimum de matériaux pour définir un domaine privé. Je m'explique un petit peu mieux. On va parler, le premier mot, c'est une shayara. Shayara, c'est une caravane. C'est-à-dire les caravanes de l'époque, quand il y avait plein de personnes qui traversaient en même temps le désert, par exemple. Ils avaient une longue route à faire, des fois c'était assez fréquent. Il y avait les gonim, entre parenthèses, ils rapportent, c'est rapporté dans le shoot Av4Ochel de Rabbi Yosef Karo, qui avait un minhag de venir de Babel jusqu'en Israël pendant les fêtes. D'où le minhag de monter à Jérusalem aussi, il était déjà très antique. Et il y avait un minhag antique comme ça de venir. Il fallait maintenant voyager pendant 2 semaines. Maintenant on a tout un groupe d'hommes, de femmes qui voyagent tous, ils sont tous à chameau, ils ont toutes sortes d'affaires. Vient le Shabbat. Alors là, attention. Ils vont se retrouver maintenant dans une Bika, comme ça c'est le troisième mot de la Mishnah. Une Bika, c'est une vallée. Surtout dans un endroit où ils vont poser le camp ici. Comment ils vont pouvoir même passer une fourchette d'un à l'autre? Ils sont pour le moment dans le domaine public. Ou même si c'est défini comme carmélite, on va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, ils sont pas au loin, ils sont pas dans un domaine privé. On n'a pas le droit de porter 4 amotes, 2 mètres. Il faut rester sur place. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a une solution. C'est de transformer leur camp en un domaine privé. Comment on va faire? Il va falloir, en deux mots, l'idéal, ça aurait été de construire un mur tout autour d'eux. Bien évidemment, ils ne vont pas se mettre à construire des murs, ils ne vont pas passer une journée pour préparer le mur. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Ils ont toutes sortes d'objets, d'ustensiles qu'ils ne vont pas utiliser de toute façon pendant Shabbat. Et ils vont maintenant, donc la Mishnah va essayer de me dire avec quoi ils vont pouvoir fabriquer, s'encercler avec des ustensiles. Et la Mishnah va me dire, comme elle me dit comme ça, Sheyara, elle va me donner donc les conditions, de manière générale. Bon, on va découvrir tout ça dans la Mishnah, pourquoi pas l'avant. Sheyara Shechanta Babik'a. Une Sheyara, c'est donc une caravane, un groupe de chameaux, de cheval, de ce que vous voulez, qui traversait le désert, un groupe, et ils se sont trouvés maintenant en Shabbat, Ve Chanta Babik'a. Ils ont posé le camp dans une Bik'a, dans une vallée. Vehikifua Bichle Behema. Et ils se sont encerclés, entourés avec des clés Behema, avec des ustensiles. Propre aux animaux, par exemple, ils ont pris, vous savez, toutes les selles et tout ça, donc avec ça on peut fabriquer un mur. De toute façon, ils vont pas utiliser les animaux pendant Shabbat, donc ils les ont utilisés avec les ustensiles des animaux. Eh bien, metatelin metora, ils pourront porter deux à l'intérieur. Donc ils vont prendre par exemple toutes les selles des chameaux, ça descend assez bas, et les selles des ânes, ce que vous voulez, et il va y avoir des conditions requises, mais pour le moment ils ont réussi à construire comme ça, à les mettre un à côté de l'autre. Ils ont réussi à construire comme ça, à encercler, à faire un beau périmètre fermé, et bien ils pourront porter dans ce périmètre. C'est devenu un domaine privé. Mais il y a quelques conditions, 2 conditions explicitées dans la Mishnah. Ubilvad sheye geder gavo asat. Fais attention, à condition qu'ils ont réussi à faire un mur qui a une hauteur de 10 tefar. Définir un domaine privé requiert constamment, toujours, souvenez-vous, 10 tefarim. 10 tefarim, 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 20, d'après Chazonish. D'accord? Ok? 1 mètre ou 1 mètre 20, enfermés, donc ils ont mis des ustensiles et tout ça, ils les ont empilés, ils ont construit comme ça, ils sont barricadés, ils ont fabriqué un mur qui fait 1 mètre 20 de hauteur, et aussi, ils peuvent mettre des ouvertures, mais attention, « Velo yu pratsot yeterot alabinan », mais à condition aussi qu'il n'y ait pas plus d'ouverture qu'il n'y a de fermeture. C'est-à-dire, en réalité, d'abord je dis 2 conditions, il y a 3 conditions dans la Mishnah, ça c'est la deuxième, il y aura une troisième ensuite. La deuxième condition, c'est « Lo yu pratsot yeterot alabinan » et qu'il n'y ait pas plus d'ouverture que de fermeture, c'est-à-dire, vous êtes d'accord qu'on peut avoir un endroit fermé où il y a une ouverture. Une ouverture, c'est une porte pour entrer. On n'est pas obligé non plus d'avoir un cadre de porte.
Si finalement on a mis un morceau de mur, un trou et un morceau de mur, en théorie, on a une porte. Mais il y a une condition requise. C'est que vous prenez tout le périmètre et que le périmètre il soit majoritairement fermé plus qu'ouvert. C'est-à-dire, imaginez, vous vous amusez à prendre des morceaux de des planches de bois. Vous allez vouloir définir un mètre, un carré. On va prendre un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Imaginez, vous allez vouloir prendre des bouts de planches de 1 mètre. Vous allez planter un bout de planche, puis après, 2 mètres plus loin, un autre bout de planche, une autre planche. Et comme ça, vous allez peut-être me dire, ah, regarde, finalement, regarde. J'ai dit, donc, 1 mètre, puis après, 2 mètres après, puis après, 2 mètres après. Dans la longueur, on a réussi à finalement, on a mis 4 morceaux de 1 mètre. Donc, on a 6 qui sont restés ouverts. Et vous faites ça des 4 côtés. Là, c'est pas bon. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez encerclé un périmètre qui est majoritairement ouvert. Il faut qu'il soit majoritairement fermé. D'accord? Donc, si vous avez un carré de 10 sur 10, par exemple, donc vous allez avoir 10, 20, 30, 40, vous avez 40, il faut fermer au minimum 20 mètres. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Il y a quelques conditions, vous ne faites pas comme vous voulez, il y a quelques conditions un peu délicates, mais il faut qu'il y ait au moins, vous pouvez mettre plein d'ouvertures, mais qu'il y ait au moins 20 mètres du périmètre qui soit fermé. Ok? C'est clair? C'est donc la deuxième condition. Si c'est exact, il y a si c'est 20 et 20, il y a une marque bloquée dans la gamme. Il y en a qui requièrent que ce soit majoritairement fermé. Il faut qu'il y ait 21 fermés et 19 ouverts. Il y en a qui pensent que non, même si on fait 20 et 20, comme ça le partenariat apporte que même si c'est par route, ce qui est Omed, ça s'appelle. Dans le partenariat, regardez, le watch est à Omed Ravalea. Il a mis par route ce qui est Omed, ce qui est ouvert, qui est exactement comme ce qui est fermé, ça aussi ça marche. Ok? Ça, c'était la deuxième condition. Maintenant, troisième condition. Kol pirza sheike seramot muteret. Maintenant, toute ouverture, une pirza, c'est qu'on a une ouverture. C'est pas un pétard, c'est une pirza. Pirza, ça veut dire que ça a été les frottes des lettres, ça veut dire, comment dire, des... Je ne sais pas le mot, qui casse un mur. C'est des frottes. Une porte qui n'est pas définie comme une porte avec un cadre, avec quelque chose qui se ferme, c'est défini comme une pirza, une ouverture. En tout cas, kol pirza sheike seramot, toute ouverture qui a une largeur jusqu'à 10 amot de large, Mouteret, c'est permis. Par contre, mais Pénéché qui est pétard, parce qu'elle est considérée comme une porte. Par contre, Yéter Mikan, plus que cela, à source, ça devient interdit. Et là, on explique un petit peu mieux. On va plus prendre un cas de. C'est bien mon histoire, je vous ai dit 10 mètres sur 10 mètres, mais faites attention. On parle en mètres, et là, on parle dans de Hamot. Une Hama, prenez, une Hama, c'est la moitié d'un mètre. Donc en fait, je vais tout convertir en Hama. On a défini un périmètre de 20 Hama sur 20 Hama. D'accord? 20, 20, 20, 20. Ok, on a dit qu'il va falloir maintenant, donc on a au total 20, 20, 20, 20, ça va nous faire 80. 80 amot de périmètre. Il va falloir fermer au minimum 40 ou 41, 41 amot. Maintenant, malgré tout, vous pourrez vous dispatcher vos morceaux de bois ou bien vos ustensiles d'animaux comme vous voulez, mais il y a quelques petites conditions requises, d'où maintenant une qui est explicite dans la Mishnah, c'est que tu ne fasses pas une ouverture qui soit plus large que 10 amot. 10 amot, 5 mètres de large. Jusqu'à 10 amot, ça s'appelle une ouverture. Plus que 10, c'est plus une ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que tu as tout fermé très bien, hermétique. D'accord? Tu as fermé même 3 côtés de 20 amas. Ou bien même mieux que ça, tu as pris, tu sais quoi, tu as pris 65 amot. Tu as pris 2 amas ici, 3 amas ici pour un côté. Donc tu as laissé pour le moment ouvert 15 amot. Et tu as tout fermé tout le reste. Tu as laissé juste une ouverture très large. C'est pas bon. Il faut une ouverture qui est au maximum des ouvertures de 10 amot à chaque fois. D'accord? Tu dispasses comme tu veux. Donc on a fait deux conditions par rapport, à part la hauteur, que ça devait faire 10 tfachim, 10 points, 1 mètre. À part ça, on a pris deux conditions par rapport à comment encercler. Il faut nécessairement que la majorité, ou au moins la moitié, soit fermée et pas ouverte. Et à part ça, une autre condition aussi, qu'on a appris maintenant, que... Il faut qu'il n'y ait pas une ouverture qui soit plus que 10 amas, parce qu'au-delà de 10 amas, c'est plus une porte, c'est plus une ouverture, c'est devenu... Il n'y a plus de mur. S'il n'y a plus de mur, eh ben, il n'y a plus de mur, donc tu n'as plus que 3 murs. 3 murs, tu ne fais pas un domaine privé avec 3 murs. Mais des Roïta, on t'a demandé de fermer le quatrième mur. J'avais un truc à vous dire qui m'échappe, je ne sais plus ce que je veux dire, je recommence une seconde. Le partenariat il rapporte. Mais attention, on a quand même une solution. Si tu veux faire une ouverture plus large que 10 amas, t'avais une ouverture de 15 amas, t'as quand même une solution. C'est ce qu'on avait appris déjà depuis la première Mishnah, la Tsurat HaPetach. Si toutefois, tu as maintenant une solution, imagine que tu as envie de laisser malgré tout une ouverture de 15 amas.
T'as une solution pour fermer, c'est que tu fasses une sourate à pétard, un cadre de porte. C'est-à-dire, tu prends deux poteaux et un poteau au-dessus, puisque tu as fait un cadre de porte, le cadre de porte, souvenez-vous, le cadre de porte, ça résout bien des problèmes. Ça résout les problèmes de largeur et les problèmes de hauteur. Avec l'histoire du Léhi et de la Kora, on avait dit que le Léhi, il devait nécessairement avoir une ouverture de 10 amot, comme c'est écrit ici, parce que plus que 10 amas, c'est plus une ouverture. La Kora, elle devait être à une hauteur de maximum de 20 amas, d'accord? Eh bien, si tu te fais un cadre de porte, tu peux élargir plus l'ouverture et même monter plus la Kora du dessus. C'est exactement ce qu'il y a écrit ici, de nouveau. Donc si tu as maintenant ton ouverture de 15 amas, tu fais un cadre de porte, tu plantes un beau tasseau, un autre tasseau de l'autre côté, et un tasseau qui les relie les deux, tu veilles à ce que ça tienne Shabbat, parce que si ça tombe pendant Shabbat, alors, tout tombe à l'eau, d'accord? Et voilà, et comme ça tu pourras même porter, si tu veux, avec une voiture de plus de 10 amas. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selam.